Bonjour tout le monde. Salut à tous. Bienvenue pour une nouvelle session Carna. Aujourd'hui, c'est même pas une session Carna, c'est un test. Un test. Une canne. Là qui s'appelle, je sais plus. Mosquito. La Mosquito. La Mosquitari. Mosquitari. Mosquito. Non, Mojito, c'était hier soir. Ok, Mojito, c'était la Mojito Citari. La Mojito Citari. Et donc avec Jean-François et toute l'équipe qu'on va vous présenter les uns après les autres. Ouais, parce que une bonne tripotée là, une canne apparemment unique au monde. C'est on va dire. Hein. C'est ça. Un nouveau prototype. Casting avec le fil qui passe en dedans et télescopique et qui lance bien tous les poids, tout qui va bien. Donc une canne télescopique, fil intérieur, casting. Et c'est ça. Et apparemment qui balance aussi bien du 4 grammes que du 100 grammes. Donc on va tester pour voir la résonance, pour voir la souplesse, pour voir un petit peu tout. Il n'y a pas de souplesse je crois, hein, parce qu'entre 2 et 100 grammes je crois qu'il y a... Ouais, non, il n'y a pas de souplesse. Je crois que ça va être comme un peu ça va être raide. C'est ça. Enfin, donc voilà. Là, je vais couper parce que ça se dit pas les trucs comme ça. Hein. On s'en bat les couilles. Allez. De suite. On est parti pour la nouvelle canne. D'accord. Alors, présentation de la canne. Donc apparemment canne casting avec Télescopique. Regarde, c'est l'autre photo. Taille de la canne. Voilà. Les gens qui pêchent du bord. C'est vrai, encombrement minimum. Taille de la canne. Ah mon Jeannot. Ouais. Hein? Télescopique. Et vas-y. Télescopique, lâche. Hop. Voilà. Raid. Ouais. Franchement, pas. L'action, c'est. Moi je trouve raide, et après si tu peux balancer un peu de tout avec, pourquoi pas. Le ressenti. Le truiteux qui pêche en casting, mort de rire. C'est quoi? C'est raide mais sensible. C'est raide mais sensible. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand tu regardes comme ça, le truc c'est un manche. Ouais. Elle est quand même très très résonante. Quoi. Point de vue lancé? Point de vue lancé,
c'est très bien. Quel poids ouais, donc c'est. Ouais, donc il y a quoi? Il y a une quinzaine de grammes. Ouais, il y a à peu près 15 grammes, je pense. Sachant que tout à l'heure, le test. Le pitchhead, il était sur quel poids? Ouais, donc 55 grammes de moins et. 15 grammes. Et ça part super loin. Et super bien. Donc c'est vraiment. Allez, c'est hyper polyvalente quoi. Hyper polyvalente. Hein? Il y a pour pêcher du porc, elle est super parce que quand genre t'es entre les arbres ou quoi que ce soit. Ouais, tu replies et t'es pas. T'es pas emmerdé quoi. C'est vrai que pour ça, c'est. Après. C'est un truc de fou par contre. C'est la résonance du. Par contre, c'est très 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 résonant. Vraiment vraiment vraiment, c'est vraiment chouette. Résonance. Ouais. Bah ouais, vraiment. Donc du coup, petit débrief sur la canne donc de Jean-François. Donc on le rappelle, canne télescopique, fil donc qui passe donc à l'intérieur. Casting. Ouais, canne casting. Casting télescopique, fil intérieur. Donc vraiment, c'est un produit que, enfin moi j'avais, on n'avait jamais eu l'occasion d'essayer. Bah ouais, c'est un peu unique au monde. Hein. Apparemment, c'est unique. C'est voilà.
la taille de la canne au départ. Alors si on fait, si on débriefe sur le proto, parce que faut pas oublier, c'est pas, c'est, le produit n'est pas terminé, mais donc on ne peut donner notre avis que sur le proto. C'est vrai que c'est la première sentie qu'on va avoir sur le premier lancer, c'est un blanc vraiment relativement rigide, mais qu'on oublie très rapidement, parce que elle a une fluidité au niveau du lancer qui est vraiment extraordinaire, un ressenti que ce soit au niveau d'une touche ou quand vous grattez le fond, ou c'est vraiment un ressenti et une résonance, mais alors vraiment vraiment extraordinaire. Donc donc voilà moi mon point de vue, que ce soit sur du, on a testé sur du growler, donc à quasi 100, enfin un growler, ouais, 100 grammes, quasi 100 grammes. Jusqu'à bien évidemment un Ryuki, bien sûr. Le Ryuki à Jano, c'était obligé. Et avec du killer souple, avec enfin le test s'est fait vraiment sur un éventail relativement important. Au niveau du poids, on est passé de quoi, de 10 grammes, 7 grammes. Il fait combien le Ryuki? Un peu plus de 10 grammes, je crois. Non, le plus petit faisait 7 aussi. Il faisait 7. Vrai. Donc on est passé de 7 à 99 ou 100 ou 100 grammes. 100 grammes. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que on aurait fait ça sur le même type de leurre, mais non, c'est passé d'un jerkbait. C'est passé par un swimbait, c'est passé par un shad, c'est passé par qu'est-ce qu'ils ont essayé encore, enfin je sais plus exactement, mais un buster, mais, je mets un buster aussi dessus. Donc c'est vrai que c'est vraiment très polyvalent, et très pratique, parce que une canne comme ça qui fait 20, 40, 60, qui fait aller même moins de 70 cm pliés. Je crois que c'est 70. Je crois qu'il m'a dit, ouais, et 2 mètres dépliés, 70 cm. Je veux dire, vous mettez ça dans le sac à dos, vous partez en montagne, il n'y a pas de problème. Vous avez ça dans le coffre de la voiture, ou même presque sous le siège de la voiture. C'était pas prévu de faire une partie de pêche. Vous avez ça, vous passez devant un lac, bim, vous arrêtez. C'est vraiment très pratique. Donc et ensuite un truc, c'est le fil intérieur, bah disons que point de vue de résonance, quoi, quand dès qu'on touche le fond, ce que je disais tout à l'heure, il y a une résonance et une sensibilité énorme. Ouais. Après dedans il y a combien, il m'a dit 14 entretoises, un truc comme ça, donc qui sert de guide, en fait, d'après ce que, que j'ai compris. Voilà, c'est le guide fil intérieur, en fait, quand le fil ne touche pas les parois de la canne, c'est des entretoises il y a 14, il me semble que c'est à 14 entretoises, donc le fil passe à l'intérieur, et point de vue résonance, c'est vraiment énorme. Surtout ça, quoi. Au départ, c'est difficile à prendre en main, parce que parce qu'il y en a pas deux comme ça, parce que et puis c'est une trique, prends le bout, le truc, le truc, c'est une bonne trique, c'est vraiment raide. Mais en termes de résonance au fond, par exemple, si vous prenez avec une tête plombée pour gratter, je vous garantis que sur le fond, vous allez sentir si c'est un caillou, si c'est une herbe, si c'est mou, si c'est pas mou. Je pense sur un bateau, sur des dérives en verticale. Ah ouais, avec la résonance du truc, mais c'est vraiment très très bien. Donc voilà. Non, c'est un test, franchement, mais plus que positif. Très très positif. Plus que positif. Très positif. Sachant qu'encore une fois, le proto n'est pas fini. Ouais, c'est un prototype. Voilà. Donc faudra voir ce que Jean-François va en faire. Mais c'est vraiment. Moi, j'ai agréablement surpris. Ah ouais, moi pareil. Moi pareil. Les premiers coups de canne, j'ai fait bof. Voilà, la même. C'est quoi, la même. C'est ouais ça. Mais au fur et à mesure des lancers et tout, une fois qu'on l'a bien en main, c'est. Moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, je me promène souvent avec deux cannes au bord de l'eau. Une petite pour faire les perchouilles, les trucs comme ça, puis une plus grosse pour le broc et tout ça. Et c'est vrai qu'avec celle-là, tu la mets dans le sac à dos, on n'en parle plus. Et puis non, il n'y a qu'une canne, il n'y a pas deux cannes. Ouais. Tu t'embarrasses pas avec deux cannes, t'en as qu'une. Donc non, franchement. Très polyvalente, très polyvalente. Pratique. Très bon produit. On vous mettra le lien de Jean-François, ouais, parce que du concepteur, qui a donc un,
Je crois que c'est sur Instagram, je crois. Ouais, il a un Instagram, il a un Facebook. Donc, ouais, de toute façon, dans la vidéo, je vous mettrai les liens de Jean-François. Allez voir son site, allez voir. Et puis, je pense que ça devrait bien cartonner. Ça va le faire. Moi, je pense que pour lui, ça. Voilà, c'est son petit bébé, c'est son petit jouet. Enfin, on l'a bien testé. Il y a pas mal de monde aujourd'hui qui l'ont testé. Et on a tous le même ressenti. Bizarre au départ, mais ouais. Une fois qu'on l'a en main, c'est juste au top. C'est juste au top. Après, voilà, peut-être. Enfin, je sais pas quoi dire. Non, mais il n'y a rien à dire de plus. Je pense qu'on a fait le tour. Et c'est vraiment très bien. Voilà. Donc sur ce, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, surtout là, n'hésitez pas vraiment à mettre un commentaire sur que ce soit positif ou négatif. Hein, encore une fois, on s'en fout. Mais vraiment, si ça peut aider, si les informations que vous allez, si votre ressenti peut aider Jean-François à faire évoluer le truc, ce serait bien. Et puis même, tout simplement pour avoir votre avis. Et puis si ces sujets de vidéos vous intéressent, j'ai testé une canne, j'ai testé telle heure, j'ai essayé ceci ou cela. Dites-nous si ça vous si vous avez quelque chose qui voilà, ou vous avez des questions avant de soit d'acheter, soit voilà, tout simplement des questions toutes simples. N'hésitez pas. Et si on peut répondre à tout ça, ben encore une fois en toute modestie, parce qu'on n'est ni professionnel, pas des pros. Hein. Voilà, mais si ça tombe sur quelque chose qu'on a déjà essayé ou qu'on a déjà, ou qu'on connaît, on vous fera un test dessus et ce sera vraiment, vraiment, vraiment avec grand plaisir. Donc, merci encore à vous tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Et puis, merci aussi à Jean-François, parce qu'on a quand même testé une canne unique au monde. Ouais, c'est vraiment le prototype. Donc, merci Jean-François. Et puis, on vous laisse toutes les infos. Et puis, à plus. Ciao. À bientôt. Ciao.